recevez le par email en vous inscrivant sur Lidl.fr. RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour à tous, chers auditeurs. Et d'abord, bonne et heureuse année à tous. Bonne année. Tous mes voeux, vraiment. Amour, gloire, beauté. Sans bonheur, santé. Rire, jeunesse. Oui. Non, c'est... Enfin, c'est foutu pour nous. Pour vous, oui, c'est possible, Joël. Mais pour nous, c'est trop tard. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année, comme tous les matins, en direct et en public, pour la bonne heure sur RTL. Une heure et demie d'humour et de bonne humeur distillée par quelques joyeux de riz autour de moi. Il y a la Charlotte Desjardins. Il y a la Charlotte Desjardins. Ouais, je viens d'accueillir. Je regarde, tiens, au hasard, il y a qui ce matin autour de la table? Charlotte Desjardins. Vous avez passé un bon réveillon? Ah, bah, très très bien, parfait, avec des Italiens, c'était super. Et alors? La dinde était bonne. Et alors, ils sont très sympathiques. Ah, oui. Ils savaient qu'il aurait de l'amour et du vin. Exactement. Et pericoloso spaghetti. Exactement. Oui. Vous avez fait le dessert? On pose des questions. J'ai fait la pièce montée la semaine dernière. Oh, non. Joël Goron est avec la nous. La Goron. Bonne année, ma Joël. Merci tous aussi. Elle fait toujours aussi jeune. Alors, que vous avez fait, vous? Moi, j'étais en Alsace. Ah, c'est bien. Oui, j'ai été manger des choses très légères. Ouais. Dans le genre, on trempe le Munster dans un bol de fromage blanc, plus des pommes de terre sautées. Oui. Ça, en 4 jours, ça a au moins 10 kilos. Dis-moi, oui. T'as fait changer tes prothèses mammaires ou pas? Avec nous également, Patrice Carmouze. Bonne année. Bonne année, Patrice. Et puis, vous avez entendu le sale gosse de l'émission, Régis Maillot. Bonjour. Vous étiez parti où? Vous étiez parti à la Martinique? Je suis parti au soleil un peu, ouais. Ça vous fait bien, bronzer comme ça? Mais oui. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il a bronzé que de la tête. Il a gardé son pull à la plage. Toujours, j'ai très peur, ouais. Mais je me suis caché dans les fourrés, c'est comme ça. J'étais sur une base nudiste et j'ai maté. On retrouvera Eric Dussard tout à l'heure. Et puis, sans oublier la douce voix de Raphaël. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Raphaël, ça va bien? Très bonne année à tout le monde. Bonne année, à vous aussi. Moi, je suis venue avec 5 kilos en plus cette année. Ça ne se voit pas. Merci. Ça ne se voit pas à la radio. Mettez vos lunettes. Et puis, écoutez, on a tous un physique de radio, donc c'est bien qu'on soit là. Allez, je vous présente notre invité, Pierre Gilles, et à bientôt 40 ans, et langue toujours bien pendue, ce double médaillé olympique en patinage artistique et ancien champion du monde professionnel, a pris sa retraite à 26 ans, on s'en souvient, pour se consacrer à ses fans nippones hystériques qui semblent plus apprécier ses commentaires sur les petites culottes des patineuses que Brian Joubert. Fidèle à son image d'Arturo Brachetti sur glace, il reste célèbre autant pour ses pirouettes périlleuses que pour son goût du déguisement. Après Conan le Barbare, Rocky, Lucky Luke, D'Artagnan, Napoléon, Matrix ou le Samouraï, le voici dans un rôle sur mesure tiré de Jules Verne, Sir Phileas Fogg, dans le Tour du Monde en 80 jours, qui va le conduire pour l'heure sur les routes de France, Lyon le 14 janvier, puis Paris les 20 et 21 janvier au Grand Rex, puis toutes les villes jusqu'en novembre 2012. Voilà un garçon qui va être très occupé cette année. C'est le plus populaire de nos patineurs, c'est Philippe Candeloro. Bonjour. Bonjour Philippe, bonne année. Bonjour, bonne année, meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent et puis tous ceux qui sont là avec nous.